L'exposition, déjà d'emblée, ça m'a enchanté parce que c'est un montage formidable. Le musée de la BD a mis des moyens exceptionnels pour présenter mon travail. C'est presque exhaustif, pour ne pas dire vraiment exhaustif. Ça couvre quasiment toute ma production. C'est centré essentiellement et logiquement sur Black Sad et les Indes Fourbes. Mais voilà, il y a un peu de sorcellerie, il y a un peu de dessin animé, il y a même de mon passage chez Disney et de mes collaborations avec l'édition espagnole de Marvel. C'est très touchant. C'est très touchant. En plus, ils ont été débordants d'imagination et de ressources. Ils ont trouvé, voire fabriqué des objets qu'ils ont mis dans les vitrines et qui sont d'une remarquable de pertinence. C'était vraiment très touchant. Très touchant de voir son travail mis en valeur comme ça, avec tant d'efforts, tant de talent pour la scénographie, tant d'efforts pour la reconstruction de ce bureau de Black Sad au détail près. C'était génial. Quand on m'a proposé cette exposition, quand Mélanie, la commissaire de l'expo, m'a contacté pour me faire part de son idée, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de carrière pour une exposition ici. Je me disais, le musée de la BD, c'est pour des expositions de grands auteurs, mais des auteurs qui ont des décennies et des décennies de carrière. Moi, finalement, j'ai à peine 2 décennies de carrière, très peu d'albums parce que je me suis beaucoup dispersé dans d'autres activités, notamment le dessin animé. J'ai apprécié particulièrement la partie dédiée aux Indes de Fourbes avec ses agrandissements magnifiques et puis les objets d'époque récupérés, voire reconstitués qui évoquent l'histoire. C'est vraiment, vraiment très, très bien trouvé. Et puis la mise en scène de la couverture et des planches, c'est quand même génial. On se sent très, 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 très honoré par tant d'attention. Depuis le 4 juin, quand ça a été ouvert et que je commençais à en voir la couleur avec les photos, j'avais hâte de découvrir l'expo par moi-même. C'était très important. Franchement, je pense que il se passera beaucoup de temps avant que je puisse faire une exposition de cette envergure et dans un lieu de ce prestige.